Très sainte Trinité, je vous adore profondément, un seul Dieu en trois personnes. Je fais cette vidéo pour répondre à Jésus musulman qui a critiqué Sami Aldib sous prétexte que Sami Aldib prononcerait mal l'arabe. Ce qui est tout à fait bizarre puisque Sami Aldib est né en Palestine, l'arabe est sa langue maternelle. Alors, je ne comprends pas, je trouve ça assez maladroit. Que c'est pas donner une belle image de l'islam, de ricaner d'un professeur d'université qui a fait une carrière brillante en Suisse. La Suisse est le pays le plus riche au monde, un des pays les plus avancés en démocratie à plusieurs points de vue. Leur système d'éducation, leur système universitaire, leur système d'apprentissage est extrêmement bon. Il y a un véritable ascenseur social que l'on n'a pas chez nous en France, qui est beaucoup moins bon en France. Donc c'est dommage de critiquer, de faire passer les Suisses pour des abrutis. Sami Aldib est docteur d'État, il a fait un certain nombre d'ouvrages très intéressants. Peut-être que ce que vous relevez, c'est les difficultés, enfin des différences de langage que l'on a par exemple pour le français entre la Belgique, le Québec, la Louisiane, où les accentuations des mots, la manière de parler n'est pas la même. Je ne comprends pas comment vous pensez que c'est un moyen de discréditer Sami Aldib, de moquer sa prononciation de l'arabe. Vous ne dites pas que son livre passionnant sur toutes les erreurs du Coran, donc des erreurs grammaticales, des erreurs de syntaxe, ce qui est vraiment une nouveauté, c'est très impressionnant, ça aide beaucoup de musulmans à comprendre évidemment que l'islam est complètement faux, que c'est une fabrication humaine. Vous ne dites pas qu'il y a un groupe de travail sur Facebook où tout le monde peut participer, ça c'est vraiment enrichissant, au lieu de se draper dans son autorité de professeur d'université, Sami Aldib travaille et collabore avec tout le monde, il est prêt à discuter avec tout le monde. Donc moi ce que je voudrais faire, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la numérotation des versets est absolument catastrophique dans le Coran. On a des versets qui font un gros pâté, un gros paquet de phrases avec plein de sujets dans le verset, et d'autres versets où au contraire la phrase qui a un sens, qui dit quelque chose, est coupée en 2, 3, 4, alors qu'il eût fallu donner un seul numéro. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est un peu dommage. J'ajoute, c'est un peu dommage que vous donniez une mauvaise image de l'islam, parce que c'est pas très glorieux de vous attaquer à lui de cette manière-là. Je vous répète que je vous ai proposé un débat, Jésus musulman, je vous ai proposé un débat masqué pour protéger votre carrière professionnelle. Et le but, c'est de pas de. C'est un échange courtois, fraternel, et avec de la consistance théologique. Ce qui est intéressant, c'est d'échanger des arguments très bons, enfin considérés comme très bons, des deux côtés, de chaque côté. Moi, mon but, c'est pas de vous coincer comme Sam Chamoun l'avait fait avec Karim, ça m'intéresse absolument pas, de faire des petites phrases, des petites blagues. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un vrai dialogue et comparer nos religions, puisque ce qui est en jeu, c'est le paradis et l'enfer. Et l'enjeu, c'est qu'il faut adorer le vrai Dieu, il faut prier, il faut jeûner, il faut faire des efforts pour Dieu, parce que Dieu le mérite. On est créé par Dieu, on sera jugé par Dieu. Voilà, c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose de grand. Ça mérite qu'on dépense de l'énergie, du temps, de l'argent pour ça. Et donc, bon, pour l'instant, vous avez refusé de débattre avec moi, alors que aussi Clément Grelet refusait de débattre avec vous masqué, mais moi je l'accepte, il n'y a pas de souci. Merci de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos et de mettre un pouce bleu. Et merci de prier pour moi. Et je répète que je ne suis pas un ancien musulman. La chaîne est faite pour soutenir les musulmans qui deviennent catholiques. Il y en a beaucoup. Et aussi pour... voilà, pour parler de la manière dont ça se passe, pourquoi ils se convertissent et répondre sur des questions de théologie, de comparaison de religions.